Faut équiper, modifier un tournateur, puis sauvegarder. Bah, c'est ce que je pensais en fait avoir fait. En fait, j'ai équipé, enfin j'ai double-cliqué, mais apparemment quand tu double-cliques dans ton inventaire ensemble, ça marche pas, je sais pas, j'ai... Et après j'ai changé un sort, et quand j'ai enregistré, ça a mis sur mon ancien stuff. Je suis perdu, moi. Salut, Odozor, bienvenue. Reclic, ça s'arrange, mais non. Non, 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 je pense que c'est cassé, hein. Je vais devoir refaire mon stuff à la main. La passionnade. Propriety. Donc un Sadida O. Si je dis pas de conneries. Attends, qui a un nébuleux là? Argenté scintillant. Attendez, j'essaie de deviner. Argenté scintillant, c'est Uppermage. Yes! Uppermage. C'est dingue. Vraiment un devin. Nébuleux, nébuleux, Nupita. Nupita. Ça doit être notre Enu. Putain, mais c'est bizarre, pourquoi t'as fait ça? Nupita! Nupita, t'as pas de résistance? T'as pas de vie? Tu mets un nébuleux? Mais tu seras mort avant le T3, ma pauvre vieille! Je dis ma pauvre vieille parce que c'est une limitrophe. Je fais un zoom pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais, Nupita, là, c'est bizarre. Mais non, j'aime bien, ça fait un petit peu d'originalité. Mais du coup, il n'y a pas profité de son T1 pour taper, il y avait une belle ligne de vue. Il est quel élément? Ah, il est pas R. Il est pas R. On va voir. Salut Pépito! J'ai autant d'HP que lui, je suis niveau 150. Ouais, mais toi tu te la pètes, Wiz. Moi j'avais pas autant d'HP, niveau 199 sur mon Féca low cost. Bon, c'était un Féca low cost, oui. J'ai 4 PM. J'ai 4. Putain, je suis pas feu. Je peux pas choper la surpuissante là, avec une flamme latérale. Après, peut-être que je peux faire ça. Allez, faut que je crit. Faut que je crit. Ah, j'ai crit. Rendez-vous compte. On va faire ça. On va faire ça. Et je clean l'arbre. Purée, mais c'est dingue. Uz, t'as une vision de jeu. T'es dans l'e-sport, toi. Bah, je commence, je commence. Mais je suis plutôt à la retraite, en fait, dans l'e-sport. Ouais, du coup, je commence pas. Salut, Badson. Tu peux rentrer? T'es un malade, mon Zobal 189 low cost étant 4200 points de vie, 1300 de force. Il y a low cost et low cost. Sur Hagrid, un stuff low cost, c'est un stuff qui n'a pas de galet. Donc t'oublies tout ce qui est item avec des brasillants. Donc tu dois te stuffer avec une capignon, hein, un slipnose. Donc oui, il y a low cost et low cost. Et là, en extrêmement low cost, mon Féca avait quelque chose comme 3500 points de vie. Ouais. Après, pour du farm colis, ça le fait, hein. Bon, attendez, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, il m'empoisonne. Putain, mais j'ai la gerbe! Putain, cette classe de con, là. Mais quelle classe, mais quelle classe, c'est un concept, hein. C'est vraiment un concept. Ils ont réussi à créer une classe qui a la capacité d'emmerder toutes les autres. Ok, bon, notre Enu, Nébuba. Nébuba, malgré tout, moi je peux peut-être choper l'Uppermage. Hein. On va voir sérieux, s'il parvient à lui faire un maximum de dégâts. Ah, mais c'est pas en faisant les pelles de jugement que tu vas les faire, tes dégâts. Je comprends pas. Je comprends pas. Par contre, il a besoin de se sécuriser. Ouais, ok. Non, c'est un Enu PVM. Compliqué. Maladresse. Pourquoi maladresse? Tu vas pas jouer le rôle du Sadi, là. Il y en a qu'un de cancer là sur la map, c'est suffisant. Par contre, le coffre il va faire plus de dégâts du coup. Ouais, le coffre est acté, il fait plus de dégâts que les Nutrophes. Bon, Nebuba encore une fois. Loza qui clean le coffre, Loza qui va pouvoir mettre son crapaud, mais s'il le repose, il a moins 100 PM. À voir ce qu'il fait. Salut au Carapix. GG, c'était plaisant. Ouais, ce genre de truc, ouais. Ok. Bon, moi je peux torcher Looper en vrai. Hein. Parce que si je torche Looper, il y a moyen que le Sadi derrière. Hein. Ok, donc je vais aller là. Ta gueule. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Ah,
Putain, mais use cette vision de jeu! Moins 1400! Moins 1300, moins 1400, je sais plus. Moi, je compte plus, hein, dès que ça dépasse les 1000. Je me mets là, comme ça, je le gêne un petit peu, si jamais il veut attaquer notre Inutrophe. Vous avez vu les dégâts, un petit peu? C'est pas pour me la péter, mais waouh! Waouh! T'as mis un aveuglement. L'aveuglement, c'est pour taper. Alors, yo, j'ai craft une cape légendaire de corruption, mais j'ai aucune idée de sa valeur. Quelqu'un aurait une idée. Salut, Moons. Bah, dépêche-toi de la vendre, parce que forcément, ça va rapidement dégringoler. Je pense qu'à terme... Ah non, je saurais pas te dire, j'ai pas vu le craft. J'allais ramener ma science. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vu des haches hier, guerre, aux alentours de 40 à 50 millions. Donc la cape, je dois dire qu'aujourd'hui, elle pourrait avoisiner les 40. 100 millions la corruption? Mais non, comment ça? 100 millions, mais 100 millions, mais vous savez, ça fait combien de galets? Sur Hagrid, ça fait 140 galets, 100 millions. Ouais. Ouais. Sur Isel, ça fait 250 galets brasillons. C'est dingue. Merci beaucoup, Frappe Lala, pour ton Twitch Prime. Bienvenue à toi, désolé pour ce combat, mais on est contre un Sadida. Sadida, petit connard, oui, il y a plein de synonymes. Bon, comment je peux faire, moi? Ouais. Lui, il meurt parce qu'il a un ébène. Moi, je me fais full ral. Je l'avais dit, hein, qu'il avait pas joué son T3, les nus. Je l'avais dit. Ça, c'était acté. Looper a un scintillant, hein, on le rappelle. Looper a un scintillant. Donc, faudrait pas qu'il me fasse chier. Je pourrais escurse, hein, mais... On va voir. Très bien. Bon, ça fait toujours des petits dégâts, hein, Loza. Pourquoi l'excursion marche pas? Il est... Enlève-lui, genre. De toute façon, j'ai pas besoin d'excurse, en vrai. Non, mais il faut que je le tue, hein. Je sais pas si... S'il sait, mais il y a un scintillant, ça va être chaud. Voilà. Et puis maintenant, on va passer sur le Sadi. Je lui mets un ébène au Sadi. Ouais. Ah, putain. Je me sens bien comme ça. Voilà. Go Sadi. Oh, ruine-moi cette folle. Cette folle, j'en peux plus. Je suis à bout. Il y a un nouveau item légendaire. Il y a 4 nouveaux items légendaires, oui. 2 CAC, qui sont très bien. Enfin, je veux dire... Je pense pas qu'ils sont pétés. On va dire que ça complète un petit peu les stuff qu'on pourra faire. Putain, j'adore ce... Mais attendez, je l'ai croisé tout à l'heure. Yamashii, mais on le connaît, Yamashii, il est excellent. Il est excellent. Donc je disais, les caps sont forts. Sont forts, en tout cas, sont intéressants. Mais par contre, la cape, beaucoup trop gratuite sur les classes mêlées et terre chance. Hein. Je pense à un Yop-Ho. Gratuit, ou Jnakter, gratuit, Yopter, ça dépend, 3v3 team peut-être pas, mais 3v3 solo, oui, voilà, et concernant la ceinture, là, la ceinture, c'est feu d'artifice, ça va être compliqué la ceinture, hein. Je vais pas vous spoil, mais ça va être compliqué. Bon, lui, il soigne, ok, Loza, il va me faire des petits dégâts parce que je me suis bouclier FK, et par contre, je suis plus rempart, on l'observe parce que je peux relancer le sort. Salut Roby. Oh, salut Catjoy. Us, j'ai arrêté l'office il y a 3 mois et là j'ai recommencé à jouer. Il me manque des équipements, tu sais pourquoi? Demande à ton petit frère. Non, on a dû déjà te la faire. Non, normalement les stuffs ne disparaissent pas. Hein. Check un petit peu s'il y a eu des connexions sur ton compte. Mais normalement les stuffs ne disparaissent pas par magie. Donc si c'est ce que te dit quelqu'un, il ment. Ouais, t'as raison. Mais en fait, l'excursion est bug ou je peux vraiment pas... Je sais pas pourquoi j'ai Flamish, j'aurais dû torpeur et aveu, en fait. Mais je sais pas, j'ai l'impression que l'excursion, la prévisu est buggée. Parce que je sais que le sacri peut se mettre indéplaçable... machin.
Ces bugs, tu peux. Ok, Kizura, du coup, tu vois, moi, je prends pas la peine de checker parce que si je clique, je vais devoir vérifier un par un tous les trucs. Ça va passer. Ça va mettre 15 secondes au moins. Hop, je suis au milieu de mon tour. J'ai rien fait encore. Et on vient de torcher. Ouf. Et là, on a torché du lourd. Hein, parce que là, le combat, en vrai, faut voir, faut faire un zoom. Mais on a torché un Oza avec un Sadie. Le Sadie, full retrait. Full retrait. Un Oza, bon, un Oza malgré tout, pas full opti, mais je vous laisse ces résistances là. Vous pouvez plisser les yeux. On est sur du 40-50% all. Hein. Il n'y a pas d'ivoire, mais de bonne résistance. Et avec eux, il y avait un Upper Mage argenté scintillant. Vous vous rendez compte ou pas? Avec nous, on avait quoi? Un Enu. Son seul tour de dégâts, il a fait du moins 500 avec un Ebuba. Ouais, bah, il n'y a pas eu l'occasion d'avoir un Ebuo, il est mort avant le pauvre. 195 et nu PVM, j'ai rien contre lui, hein. J'ai rien contre lui, juste constater qu'au niveau du matchmaking, on s'est pas bien entendu là. Très bien. Alors, est-ce que tu sais que tu as les bonus malus à la ligne du bord? Oui, là, ici. Ici, ouais. Mais moi j'aime bien chercher un petit peu. J'ai toujours fouillé. Mais déjà petit, hein, je fouillais dans la terre comme ça à l'école. Je fouillais dans la terre, je fouillais dans la pelouse. Parce qu'on avait une petite cour aussi à l'école. Ouais. Je rappelle que je suis en live tous les jours sauf le mercredi et le samedi à 19h sur ma chaîne Twitch. Et pour ceux qui ne peuvent pas se sub à cette dernière mais qui veulent tout de même me soutenir, sachez que j'ai une page Utip en description.